Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière Ligue des Masters sur PES 2021. On va faire 4 matchs, on va jouer Amiens, Guingamp, Ajaccio et on jouera un quatrième match le 30 décembre. On part tout de suite pour le match. On est, je le rappelle, leader de Ligue 2 égalité de points avec Amiens qu'on joue tout de suite. Amiens qu'on va jouer tout de suite. Et qui est... une grosse équipe du championnat encore. On avait fait Lens de l'épisode précédent. On avait gagné 2-1 face à Lens. Mais ça avait été compliqué. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions. Damien SC qui nous reçoit, nous, le stade Malherbe de Caen. Notre joueur est bien sûr titulaire. Oh, c'est quoi ce maillot là? On dirait limite qu'il est 3D là. Le maillot de Amiens là. Allez, c'est parti pour ce match face à l'Amiens SC. Le match va sûrement se terminer sur un 0-0. On a eu des occasions, mais on a tiré à côté. Allez, 0-0 face à Amiens. Au moins, on ne perd pas. C'est ce qu'il faut se rassurer. On reste à égalité de points avec Amiens. Nous sommes co-leaders. On a eu la possession en plus. Et l'homme du match, c'est bien sûr le gardien amiénois, Bajic. Toujours à 84. Et on va jouer face à Guingamp. Allez, on va se faire ce match face à Guingamp. Après, on aura Ajaccio puis Grenoble. Allez, on reçoit l'en avant Guingamp. On n'a pas marqué lors du dernier match. Il y a eu 0-0 face à Amiens. Ce serait bien de remarquer dans ce match. Allez, c'est parti, on va lancer ce match. Et notre ailier droit qui nous trouve dans la profondeur. Notre joueur qui frappe et cette fois c'est dedans. Ouverture du score à la 17ème minute de jeu. Face à Guingamp. Les Normands qui mènent face aux Bretons. Ouverture du score à la 17ème. De notre joueur. C'est la preuve qu'ils sont dépendants de notre joueur. S'ils ne marquent pas, quand on ne s'impose pas, le minimum ne peut pas de match nul quand c'est pas joueur. En tout cas, notre joueur nous permet de mener 1-0. Face à une frappe au roulis pied gauche. Ça fait 1-0 donc face à Guingamp. Ballon encore pour notre joueur. Il perd encore le ballon. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses oreillers.
s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. L'arbitre signale une faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Ah, Pierrot, Pierrot. Et victoire 1-0 à la 18e, but de notre joueur. Kanki s'impose donc à 1-0 face à Guingamp pour son deuxième match. On avait fait donc 0-0 tout à l'heure contre Amiens. Et là on fait 1-0 face à Guingamp. On marque moins, hein. On sent que l'hiver, on est en plein dans l'hiver. Hein. Allez, match face à l'AC Ajaccio, qui doit être dans le bas du classement. Notre équipe qui a le même nombre de points que Amiens. Et on se déplace en Corse. Enchaîner avec une deuxième victoire consécutive. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pluie nous a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique. Et notre joueur il est à la limite du hors-jeu, faut lui donner le ballon, c'est bien fait. Le centre, la tête, c'est dégagé, le numéro 25 il a remis. Et l'ouverture du score pour les Canets. 1-0 grâce à Kirané. Notre joueur qui centre, malheureusement c'est repoussé par... Voilà, il percute, il centre, la tête, c'est arrêté par le gardien, mais le gardien ne peut rien faire sur cette deuxième action. La tête est magnifique, il l'arrête. Ensuite, c'est ce qu'il prend, il la met dedans, et ça fait 1-0 pour le Stade Malherbe de Caen. Au bout de la 60e minute de jeu. Tommy. Notre joueur, il est trouvé en profondeur. Derrière la défense, il a été trouvé. Il a pris de vitesse la défense, il frappe. Et 2-0 pour le Stade Malherbe de Caen. But à la 77e minute de jeu de notre joueur. Qui nous permet, à Caen de mener 2-0 dans cette rencontre. On va avoir cette action. Il a pris encore la profondeur. Il est trouvé une balle lobée, comme souvent dans cette équipe canaise. Ensuite, il enroule pied droit. Et il trouve le gardien et toute la défense à lui tout seul. Il a bien progressé cette saison. Hein. Caen, on peut dire qu'ils ont vraiment fait progresser. Arrivé, il était à 79, il est actuellement à 84 de général. Et la progression n'est pas finie. La CA, mais c'est bien dégagé par l'équipe canaise. Le plaisir de voir un coup franc un peu repoussé par la défense. Oh, le bon pressing, le bon pressing. Ça va partir en contre-attaque, même s'il est un peu crevé quand même. Et voilà, il va chercher du soutien avec le numéro 22. Oh, qu'est-ce qu'il fait le numéro 22 là? Qu'est-ce qu'il fait le numéro 22? Elle fait n'importe quoi le numéro 22. En tout cas, Caen va s'imposer 2-0 face à l'AC Ajaccio.
Victoire face à l'AC Ajaccio 2 à 0. But à 60e de Kiremé et but à la 78e de notre joueur Caen qui s'impose 2-0 face à l'AC Ajaccio. C'est Ajaccio qui, je crois, en plus, est dans le bas du classement de Ligue 2. Ah, on les voit même pas, ils doivent être bien en bas. On est toujours à 84. Al-Mibdi est élu joueur en Asie. On a 29 000 abonnés pour le SMC. On est toujours en égalité de points avec Amiens. Et on va aller jouer un match face à Grenoble. C'est le dernier match de cet épisode. Gurpegi est élu joueur de l'année en Amérique du Sud. C'est bon à savoir. Quatrième et dernier match de cette vidéo face à Grenoble. On va tenter d'enchaîner avec une nouvelle victoire après la victoire 2 à 0 lors du dernier match. Allez, on accueille Grenoble pour cette nouvelle journée de Ligue 2. On approche du mercato en plus. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Ce match va bientôt commencer. Et c'est parti. On affronte Grenoble pour cette journée de Ligue 2. Qui frappe et l'arrêt du gardien de Grenoble. Quel arrêt du gardien de Grenoble dans ces dernières minutes. Ça, je pense que ça serait que c'était la dernière action hein, pour le SMC. Il y aura un corner. On a été remplacé. Allez, c'est terminé. 0-0 face à Grenoble pour ce dernier match de cet épisode. Et ben, on n'aura pas vu beaucoup de buts hein, dans cet épisode. On aura fait beaucoup. On aura fait deux matchs nuls, je crois. Deux victoires, deux matchs nuls. C'est quand même assez moyen. Et on passe deuxième du championnat. Et on reste à 84. Donc on va se laisser là pour cet épisode. On se laisse là, on est donc deuxième du championnat. Vous verrez peut-être pas pendant le mois de janvier, on se retrouvera peut-être au mois de février. On verra. En tout cas, quand on se laisse, on est deuxième du championnat. Je vais peut-être jouer les matchs en off du mois de janvier vu qu'il y a le mercato, ça ralentit un peu toutes les choses. Donc on se retrouve, à moins qu'il y ait une grosse nouvelle qui se passe pendant le mercato. En tout cas, on se retrouve normalement au mois de février pour le prochain épisode. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière. A plus!